Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 12e épisode sur The Last of Us 2. Et rappelez-vous, on s'était quitté juste après l'explosion. Attendez, mais il y a des méchants partout là. Dis, c'est moi qui gagne, ok? Heureusement, ils étaient que 3. J'avoue que j'ai un peu fait le ouf. Mais on dirait Maria. Bon, qui a mangé chaud, mais quand même. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes très très content à l'idée de continuer l'histoire à mes côtés. Moi, je suis hyper enthousiaste depuis qu'on voit des nouveaux décors. Là, c'est un peu plus... C'est un peu plus dans l'esprit, vous savez, je sais plus quelle ville ressemblait à ça dans le premier. C'est quand à un moment on est rejoint par deux autres personnages et qu'on doit justement utiliser un sniper, je crois. Enfin, si vous voyez de laquelle scène je parle, bah, tant mieux. Ok, point de nos retours. On a une petite piscine. C'est dégueu. Parce que c'est peut-être vraiment une piscine. Oh, petit barbecue là. Ça se met bien. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh, mais c'est le... Ah non. C'est pas le doudou auquel je pensais. Non, non. Je pensais que c'était celui dans Watch Dogs 1. Le petit mouton là, mais en fait non. Qu'est-ce qu'on a ici? À vendre. Ok. Je sais pas si c'était très très intéressant de ramasser tout ça. Arrête! Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Non mais... On a trop de balles. Et le truc c'est qu'après, tu vas voir, je vais tirer deux balles, je vais faire... Putain. Je suis foutu. Ça va être ça. Ça va être ça à chaque fois. On a l'étrangleur. Ah putain, j'aurais pu faire une mine. J'ai très peur de trouver ce qui va se passer sur le lieu d'explosion là. J'ai peur pour Tommy en fait. Parce qu'il est tout seul. Et Ellie, elle est toute seule, certes. Mais tu vois, c'est moi qui joue. Donc j'ai plus confiance en moi. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Oh, je suis désolé. Que fait Alfie? D'accord. Mettez la pause comme d'habitude. Ah! Il y avait un petit truc sur le dos. Ah! Retournez. Voilà. Comme ça, vous avez la suite. Je les ai empoisonnés les uns après les autres. Pas assez pour les tuer, juste pour les endormir. Ah ouais. It's frightening, comme on dit. Ok. Bon, jusqu'ici, pas de sinistre à déclarer. Dans l'épisode précédent, j'ai su éteindre mon micro au bon moment. Putain, lâche-moi. Attendez, mais c'est quoi cet ennemi là? Il se défendait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là. Allez. Et voilà, t'as pété la corde. Ouais, ça va le faire. Yes, on a enfin l'arc. On va étudier. Ok, on peut s'en faire plein. Voilà, c'est tout. J'adore l'arc parce que c'est une arme à la fois très efficace mais aussi très punitive. Dans le sens où bah, tu rates ta flèche, ça met du temps à recharger. En tout cas, j'espère qu'on trouvera bientôt un atelier pour se l'améliorer. Qu'est-ce qu'on a ici? Genre vraiment, on va gâcher nos flèches? C'est pas con comme façon d'utiliser les mannequins.
Je suis un peu rouillée. D'accord. Ok, la tête, bravo. On peut les récupérer, heureusement. Peut-être qu'il fallait mettre que des têtes. Tiens, dans le doute. J'assure toujours. Bah oui. Qu'est-ce que t'as cru, toi? J'ai mis 3 flèches sur celui-là. Je suis vraiment une brêle, en fait. Pourquoi tu te baisses? Allez. Quoi, plein? Mais c'est pas possible. On en avait... Ok, 6. Ah, il y en a peut-être une qui était pas à moi. Bien vu, ça. Allez, on continue. Hé hey, les chiens ont flairé quelque chose. Je crois qu'il est en bas. C'est pas possible. Il est encore ici, il vient de faire sauter un camion. Tu crois? Ouais, putain, j'en suis sûr. Dispersez-vous! Ils sont peut-être plusieurs! Ah, ok, on en est là. On en est là, les gars. Cette phase de jeu. Tant attendue. Celle qui a fait dire aux gens, c'est beaucoup trop beau. C'est pas possible. Et autres. Alors, comment on se la joue? On peut se la jouer full discrétion. On va garder la brique au cas où le chien tenterait un coup de Trafalgar. Est-ce qu'il sent notre odeur là? Vu qu'il est pas au courant qu'on est là, ça m'a l'air bon. J'aimerais aller fouiller ce petit garage quand même. Putain, il fait... C'est ça ton chemin de ronde, gros, une ligne droite. Ah ouais, mais lui, je peux pas l'abattre. Vu qu'il a son chien, ça va être la merde. Surtout, il va aboyer. Ça va ameuter tout le monde. Non, c'est pas le bon plan, ça. Faut juste qu'on aille le faire tant qu'il tourne le dos. Ok, vas-y. Vas-y, bébé. 2 balles, c'est bon, ça. Par contre, c'est beaucoup trop chaud. Hein. J'ai l'impression qu'on est à la cime des ennemis. Hein. Allez. Merde, vite, vite. Le chien arrive. Est-ce qu'il y a toujours ma piste? Et putain, il arrive. C'est la merde. Ah merde! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Arrête-la! Je m'en vais! Je l'ai repéré! De ce côté! Il est où mon arc? Allez! Mais gros! Qu'est-ce que c'est que ça? Merde! Fais chier! Putain, mais... Je sais pas si vous avez vu, mes flèches lui faisaient rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je vous rappelle, j'ai fait une demi-journée d'archerie. Et putain de merde. Et putain, tu viens par là, toi, évidemment. Mais évidemment, tu te déplaces comme ça aussi. La grosse blague, quoi. Bon, apparemment, on n'a pas le temps de niaiser hein, dans ce jeu. Allez, on ramasse tout, on s'en fout.
pourvu que le chien nous ait pas grillé. Fais voir. Non, ça a l'air d'aller. Ils ont pas l'air beaucoup en soi. Mais... ils ont l'air redoutables. Il est où, putain? Alors? Il est forcément dans le coin. On n'aura qu'à le jeter au chien quand on l'aura chopé. C'est beaucoup trop nombreux, ça. Qu'est-ce que tu fais, gros? Comment tu marches? Tu es une intelligence artificielle. Et il y a intelligence dans ton nom. Il a fait quelque chose. Qu'est-ce que tu sens? Hein? Bordel, qu'est-ce que c'était? Allez! Ok, on a quelqu'un juste ici. On est allé voir, y'a rien. Hein? Ici, là! Mais quoi? Oh là là, fais chier. Je suis trop dégoûté, quoi. Tombe là ! Mais tire ! Et déjà, pourquoi j'ai cette arme ? En avant ! Oh merde ! On va devoir se la jouer mano à mano. J'en ai plus rien à foutre. Omar, quoi, t'es là ? J'y vais. J'ai plus rien à perdre, moi. Là, attaque, mon grand. Non mais gros. Non. Putain. Mais grouille. Non, là, j'ai vraiment le seum. Ok, il faut faire des animations réalistes, ok, on avance dans le jeu, mais là c'est trop. C'est trop gros. Elle met 8 ans à recharger son arme. Ah putain, je suis énervé. Surtout comment on passe. Moi c'est ça qui me tracasse. Putain. Alors ? Il y a des chiens partout. On n'aura qu'à le jeter au chien quand on l'aura chopé. À qui elle parle? Non mais gros, tu vas pas rester devant la fenêtre tout le temps. Ok, il y a sûrement un chemin idéal. Je parle plus, mais en même temps je suis bien concentré là. On a que dalle. Allez. Ah putain. Mais faut aller où en fait? Mais qui me voit? Putain. Sale pute. Entendu. Mais... putain, vous êtes partout, les gars, vous êtes des super-héros. Allez, vite. Elle est pas là.
crois qu'elle s'échappe. Ah putain, le stress. On va se soigner. Hein. Non mais les chiens, c'est abusé. C'est cheaté de ouf. Moi, j'ai personne avec moi. Ouais, mais on pense que ces intrus sont de mèche avec eux. Restons sur nos gardes. Ils l'ont trouvé. On va les aider. On a des ordres. On reste ici et on bloque toutes les issues pour l'empêcher de s'enfuir. Quelqu'un a un visuel ? Putain, voilà. Rien dans cette zone. Je t'ai dit. Fais le tour sur mon côté. Bah t'es où? Allez, tire! Ellie! Tu vas tirer, putain! Je te garantis que tu vas tirer quand j'appuie sur la touche, hein. Ça va pas le faire. Qu'est-ce que c'est que ces armes là? Ça répond pas. Je te jure que j'ai appuyé genre 5 minutes avant. Ça répond pas. Mais putain, tu le vois bien que je mets des têtes pourtant. Tu vois que je sais tirer, mais je sais pas pourquoi ça répond pas. Ah putain, si ma PS4 me lâche maintenant. Je suis dans la merde. Je suis in the shit. De toute façon, il y a plus personne. Tiens, il y a quelqu'un encore? J'ai entendu parler. Bon bah l'arc un peu déçu. Donc bah je vais prendre le pompe. Ma valeur sûre, j'ai une balle. Mais je sais que ça fera toujours plus de dégâts que ce putain d'arc. Ok, on a rien ici. Si, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que je viens de voir? Ah, c'est une brique. Ok, la musique est cool. On sent l'action. MDR. Il y en a pas. Ce qui me manque le plus, c'est Santa Olala, quoi. Frérot, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Où sont tes musiques? Et où est la suite du jeu? Non mais c'est vrai, les petits coups de guitare là, c'est trop anecdotique maintenant. Qui a un chien encore? Putain! C'est peut-être un infecté. Si on avait besoin de ça. Ok. On reste discret. Je sais pas si on peut se le faire full discrétion ce truc. J'avoue que je sais pas trop moi-même ce que je suis en train de faire. Je sais pas où il faut aller. Elle a fait un truc. T'as trouvé une piste? Putain de merde. Oh putain! Dégagez vite! Ils sont que deux, on peut se les faire. Je suis désolé, j'oublie carrément de parler quand je suis concentré. Par là-bas. Voilà. Quelqu'un d'autre veut des têtes ici là? Qui vient me tester maintenant? Je suis Ellie. Ellie Williams, you know. Regarde, j'ai même deux balles. Sur un silencieux
que je n'utilise pas. J'entends des gens beaucoup trop proches, à mon goût. Vas-y, soigne-toi. Oh, on est reparti. Oh, je suis trop bouillant. Ok, donc j'aurais juste pu passer ici. Ah ouais, mais en fait, quand tu connais pas le chemin, bah tu peux pas deviner. Par ici, près de la barrière. Non mais... Gros, tu veux pas manger? Mais je peux pas me lever! Mais il prend pas de balles! Mais t'es Superman ou quoi toi? Il va me tuer? Il va me tuer? Qu'est-ce que... Eh hey, attendez, je vais faire un truc parce que là c'est trop. Putain, c'est pas possible. Il y a un mauvais contact dans ma manette ou quelque chose comme ça. Je n'y crois pas. Ok. Bon, allez, fais-moi le coup du chien encore. Et change d'épaule aussi, là. Je le vois pas. Voilà. Ouais, ça vaut le coup de mettre un x6, hein. Ça vaut le coup. Putain de merde. Nous oblige à tuer des clébards. En plus, le gars, on peut pas l'avoir au cac, hein. Elle est descendue là. Enfumez-la. Allez, allez, allez. Ah ouais. Putain. Ah ouais. J'ai contourné mais je sais pas où il est. Vite, 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 vite. Putain de merde! Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui avec moi? Déjà, il y a le fait que je puisse pas changer d'épaule, ça me rend ouf, mais tu peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me rend dingue. Allez, on s'améliore ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, niveau munitions, on n'est pas dingue. Niveau vie non plus, on n'est pas dingue, putain. Bah, prochain coup, on fait pas de molotov. Hein. Ça pourrait nous débloquer des situations, mais là, on va plutôt aller vers le soin. C'est une phase intense, hein, mine de rien. Pardon. C'était tellement intense que j'ai roté. Allez, viens. Bah alors, y'a plus personne, hein. Face à Ellie Williams. Je te jure que s'il y a quelqu'un qui spawn sur moi, là... Oh là, ah ouais, putain, la caméra. Ah, c'est ça qui m'est arrivé tout à l'heure aussi. Partir seul. Jessie. Oui, Dina. Elle est en sécurité. Non mais tu te fous de moi là. Elle est juste malade. Comment ça malade? Elle va bien. C'est Jessie. Et alors évidemment qu'il allait pas ressusciter, mais ça aurait fait une belle scène, non? Genre comme s'il prenait trop de place dans son subconscient, ça qu'il va, l'aidait au final. Ça va aller.
Tes potes me sont tombés dessus. Sans même un avertissement. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. Ok. T'es prête? Ouais. Excusez-moi, Naughty Dog. Vous aviez la flemme de modéliser d'autres personnages ou... Ou c'était juste une idée de merde de faire venir Jesse tout seul? C'est pas à moi qu'il faut dire ça. On peut aller voir cette maison? Ouais. Ok, on y va. On a plus le temps, nous. Mais... Je m'en fous, je te tire à travers une chaise. Je l'ai tué. Où est l'autre? Tiens, vas-y, sors ta petite tête, là. Voilà mon pote, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles, mais ça valait le coup. On vous a bien niqué. Vas-y, bah go. Monte. J'arrive. Merde, non, je voulais prendre les balles. Ok. La voiture. Vas-y, démarre. J'essaie. Plus vite. Ah. J'arrive pas, ça bouge trop la caméra. Fais gaffe. Vous visez la salle. Faut pas aller la caméra. Accroche-toi. Allez, vas-y. Putain, c'est Uncharted. J'arrive pas à viser. Ça bouge trop! Ah putain! Il a sorti sa petite tête d'escroc là! Ah, Jesse, c'est vraiment le frérot, hein. Putain, il nous a sauvés tellement de fois, en même pas 2 minutes, par rapport à Dina, quoi.
Dina! Salut. Oh, c'est pas vrai. Jesse. Salut, Dina. Oh. Hey. On devrait rentrer à l'intérieur. Ouais. Allez, viens. Doucement. Ellie aussi va bien, si tu te demandes. Maria t'a laissé partir? J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade? Non, c'est... seulement des maux de ventre. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord? Non, laisse. Oh, t'es pas obligé de faire ça. Oh, ferme-la. Alors, t'es parti quand de Jackson? Un jour après vous. Mais la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18 heures pour vous rattraper. Vous avez pas un peu? Elle a fait 50 dollars. Moi, pas simplement lui faire un cadeau? Non, c'est beaucoup plus qu'elle. Hein? Tout va bien? Ouais. Ouais, ça va. Ok. Je me disais bien que j'avais reconnu la voix de notre petit Tommy. Boudé pour si peu. C'est vrai quoi, j'oublierai mon propre anniversaire. Et on va s'arrêter ici pour cet épisode. Ah, je suis cruel, je sais que vous voulez voir la suite avec Tommy, mais moi aussi, vous inquiétez pas, on se fait ça dans le prochain épisode, c'est promis. Ce sera le 13e. Peut-être qu'il portera chance. On ne sait pas, on verra bien. Ah là là, qu'est-ce qui va se passer? En attendant, mettez un petit pouce bleu pour cette vidéo si vous l'avez kiffé. Abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos et leurs notifications, bien entendu. Et moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Merci et à très très vite. Ciao.